Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le blanc en tatouage, car on m'a souvent demandé et posé des questions. Donc j'ai déjà au préalable fait le tatouage en noir et l'ombrage. Donc là maintenant je viens appliquer le blanc pour faire ressortir l'effet de lumière et de relief. Alors je sais très bien que ma machine projette, je vais d'ailleurs la régler. Donc beaucoup m'ont demandé pour le blanc, pourquoi ça ne tenait pas, pourquoi on avait du mal à remplir avec le blanc. Et bien c'est vrai que c'est une couleur, ou plutôt ce n'est pas une couleur le blanc à la base. Ça a du mal à prendre effectivement, c'est un pigment qui est assez dur à faire prendre, il faut repasser plusieurs fois, ça a tendance à faire saigner. Le blanc n'est jamais n'a jamais un rendu optimum. Alors pour ma part le blanc, on va dire c'est un complément au tatouage. Il faut mieux essayer d'avoir, d'obtenir l'effet de lumière sans le blanc, juste avec la couleur peau. En fait, ne pas trop compter sur le blanc pour obtenir cet effet. Il faut mieux vraiment prévoir en zone de non-tatouage, plus jouer avec l'ombrage qu'avec le blanc. Et le blanc, ça va juste servir à rehausser un peu les tonalités. Voilà, alors ça peut faire un peu mal, le blanc, effectivement. Il faut repasser plusieurs fois, ça commence à chauffer, à piquer fort. Voilà, mais si on veut que le blanc tienne, on est obligé de repasser plusieurs fois, jusqu'à avoir un résultat acceptable. Voilà.